Salut à tous. Donc je vais vous montrer comment mettre sur APB les kills en haut à droite avec la roquette, avec vert d'un côté, rouge de l'autre, pour savoir qui l'a tué, etc. Alors donc voilà, donc on va aller dans le dossier APB. Là. Dans ce dossier-là, on va aller dans le là où il y a tous les HUD. Vous allez copier tous ces fichiers-là, sauf le marqueur visuel, le texte. Putain, il veut pas. Voilà. Donc on va copier ça. On va retourner dans le dossier précédent. On va aller dans le dossier FRA. On va coller. Pour plus de sécurité, on va copier. En fait, dans ce dossier français, on a exactement les mêmes fichiers, sauf quand ils sont au point FRA. Donc on va les sauvegarder. Parce qu'on va remplacer l'extension des points int. .int par .fra. Sauf celui-là, on va le laisser. Là et celui-ci. 4, voilà. Donc, copier. On va créer un nouveau dossier ici. Sauvegarde. Voilà. On les colle ici. On retourne dans le dossier. Et on va supprimer tout d'abord les points FRA. Celui-là on laisse, celui-là on le supprime. Et celui-ci on le supprime. Voilà, maintenant on renomme tout ça. Putain. Et voilà, donc là, quand vous allez lancer le jeu, et ben vous aurez votre jeu en français. Vous aurez tout de même votre. Vous savez, quand on a un jeu qu'on appuie sur échappe, pour sélectionner un district, il y a plein. Tout le menu en fait sera en anglais. Et bon, l'anglais est très simple à comprendre, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà. Sinon, vous aurez les kills en